Tu nous saoules avec ta musique là. T'avais pas des devoirs à faire là, ou lire un livre de français? Non, mais ça me saoule, ce merde, regarde. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Jean-Paul Sartre? Mais lis ça, c'est très bien là. Mais non, ça me saoule. C'est bon, allez, laisse-toi. Ouais, tu préfères regarder la télé. Hein. Cette scène vous choque? C'est pourtant le quotidien de nos enfants qui refusent de lire et passent tout leur temps derrière leurs écrans. En voici quelques exemples. Coucou, faut se lever. Mais tu fais quoi là? T'étais sur ton ordi? Ah, j'ai vu, c'est ça, à 7h du mat, super. Ouais, lâche-moi, c'est bon. Séverine, maintenant ça suffit, tu t'enlèves de cette télé, s'il te plaît. J'en ai marre, on va tout le temps voir l'argent. Attends! Attends, je suis sur l'ordi! Maintenant tu t'es fait, je suis de bloc. En plus de ça, ils essayent de détruire leur livre. Mais ne vous inquiétez plus, nous avons la solution, le nouveau Magic Book. Premier système permettant de lire les livres sur les écrans. Comme vous le voyez à l'image, il suffit de presser une touche pour tourner les pages, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre télévision. Voyez un peu le résultat. Vos enfants alliront désormais plaisir et littérature. Depuis que j'ai découvert le nouveau Magic Book, c'est vraiment fantastique. Je m'intéresse beaucoup plus à la littérature, même aux anciens auteurs du 19e siècle par exemple. Donc évidemment, ça m'aide énormément pour l'école, j'ai des bien meilleures notes et mes parents sont très fiers de moi. N'hésitez plus, venez visiter notre site pour de plus amples informations, www.magic-book.com, et assurez l'avenir de vos enfants.